Critiqué malgré ses euh, 8 buts en 14 matchs, la faute surtout un classico euh, raté, euh, un cauchemar Halloween avant l'heure selon Marca. Ce n'est pas le Big Bang promis, euh, écrit As après ce début de saison, qui pointe un manque d'efficacité devant le but, un problème de placement euh, répété et chronique. Certains médias espagnols évoquent même une inquiétude chez Florentino Pérez après les premières semaines, les premiers mois de, de Kylian Mbappé qui a essuyé ses premiers sifflets euh, à Bernabéou euh, le week-end dernier. Tiens, Kevin, euh, toi qui on commence par ça, hein, qui a introduit la notion du prime dans l'after mm -hmm. Je pose une question comme ça pour le plaisir seulement. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une BAP à 25 ans à, à passer son prime Ou est-ce une question de question d'adaptation de, à un nouvel environnement, un nouveau club, nouveaux partenaires ou non. une question de poste aussi On va faire tous ces débats. Non parce que pour le coup le, le prime quand tu l'as passé c'est vraiment que, que tu déclines aussi physiquement. Dans, dans les capacités à faire la différence. On est sûr alors, que c'est pas le cas Alors certes, euh, il n'aura peut-être plus la vitesse qu'il avait à, à 19, 20, 21, 22, euh, mais je ne peux pas encore, en tout cas, euh, utiliser l'expression du prime terminé, prime over pour pour Kylian Mbappé. Par contre, une chose est sûre, c'est que euh, prime que over. Il me régale, Ça il va, me régale. Je ne peux pas cool. encore utiliser. On doit lui mettre un petit. Euh, il prépare une la musique des derrière. Ouais. Vas-y d'ailleurs j'ai bien relancé l'expression euh, prime over euh, et, et aujourd'hui par contre une chose est sûre c'est que Kylian Mbappé euh, euh, il, est, il est à retardement il est à retardement parce que pour moi bah, euh, on le savait quel est le plus gros problème de Kylian Mbappé ce n'est pas d'être au Real c'est d'être au Real maintenant Kylian Mbappé, ça fait deux ans qu'il aurait dû être au Real. Il avait tout construit pour, il était libre, il a choisi... Oui, mais ça de... c'est le même disque que tu sors et j'entends, je, c'est pertinent. Non, non, mais c'est pas que c'est pertinent, c'est que c'est... Parlons de son début de saison surtout. Quoi, parce que son que début vois. de saison, pourquoi il n'est pas bon Il n'est pas bon parce qu'il joue pas à son poste. Quel est son poste Son poste, est ailier Gauche. Qui est ailier Gauche du Real depuis deux ans Pas depuis trois ans. Pas depuis un an, depuis deux ans. C'est Vénissus Junior qui aurait pu être au Ballon d'Or, qui ne l'a pas été, qui est à gauche. Il est à gauche parce que Mbappé lui a laissé la possibilité de s'installer. Et aujourd'hui, Mbappé arrive au Real dans un poste qui n'est pas le sien, dans dans un contexte personnel et professionnel très difficile pour lui. Et donc, je ne sais pas si son prime est passé. Par contre, est-ce que le train du Real est passé Ça, c'est possible. Bon. Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec toi, Kevin. En effet, euh, je pense qu'il aurait. Enfin, il faut arrêter de, de, de voir un destin légendaire à Kylian Mbappé ouais. euh, au poste d'attaquant axial avec le numéro 9 dans le dos. Ça ne marchera pas. Il a quitté l'autoroute de la légende. Ça peut être un très, très, très bon joueur, très fort joueur. Euh, au poste d'avant-centre, mais la légende qu'il veut construire, euh, le joueur inoubliable qu'il cherche à devenir, qu'il pense qu'il deviendra. Euh, je, de façon, moi, je les gars, c'est des finales de coupe du monde. un je triplé suis en finale de coupe du monde. Je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais attends, se mais, se mais je nous le pour tout ce qu'il a accompli. Encore une fois, il n'y a pas. Il n'y a déjà, pas de problème rien que ce qu'il a accompli. Pour ça moi, peut le mettre au niveau rejoins, de, de, de très peu de joueurs. Non, mais les statistiques en coupe du monde, ok, le triplé en finale, c'est légendaire. Tout ça, il n'y a pas de problème. Je dis juste que je rejoins Kevin dans le sens où s'il veut devenir un joueur légendaire. Eh ben, c'est au poste de Vinicius euh, qu'il qui, qui, qui doit jouer, qu'il a les qualités pour rincer tout le monde sur tous les terrains, quelle que soit l'équipe qu'il a, qu a en face. Sauf qu'en effet, il arrive deux ans après, euh, il n'a pas voulu son, changer son plan de bataille. Alors qu'en effet, il aurait dû tirer le frein à main en se disant :« Attends, il y a un mec euh, qui, est de, qui était un, un gamin qui est devenu le top dog, le mal alpha. Il a la eh, Vigny, il a la boucle de Ray, numéro 7 euh, plus le contrat qui va avec. C'est chez lui. Tout le côté gauche, c'est chez lui. Donc en plus, tu, tu rajoutes à ça la frustration de ne pas avoir remporté le, le Ballon d'Or à Madrid. Ils sont comme des oufs. Donc tout le monde va vouloir que Vinicius remporte le, le Ballon d'Or. Donc euh, il va rester au mieux le chaouche de, de, de Vinicius. je Écoute, euh, ce qui est intéressant, c'est la. La façon dont Vinicius semble être content, moi je pensais qu'il serait un petit peu embarrassé par l'arrivée de Mbappé, tu vois, dans le vestiaire et même sur le terrain. Je trouve qu'il cherche à le mettre en valeur, à le faire briller. Mais je pense, comme Kevin, que le poste d'attaquant axial, ce n'est pas son poste et que au Real Madrid, à moins qu'il décide de faire cash out sur Vinicius, qui j'ai pas l'impression soit dans les, les mais tuyaux il serait, il serait complètement dingue de faire ça mais ouais. il serait fou furieux non, évidemment j'ai pas j'ai pas d'informations là-dessus je pense que Mbappé non, mais il doit chercher... être fou que à la fin de la saison il décide de vendre Vinicius pour faire de la place à Mbappé non mais si est-ce bon, que là, là, Vinicius est lui-même va pouvoir partir c'est de la science-fiction maintenant pour revenir sur le débat sur Kylian Mbappé est-ce que son début de saison est bon non on est tous on est tous d'accord là-dessus parce que dans les 8 buts il faut rajouter il y a 3 penalties au moins hein, est euh... que du, absolument est-ce que des légendes du Real avant lui ont connu des débuts difficiles oui oui ça a été le cas Zidane on parle de Zidane c'est le cas de Benzema, ce qu'il est devenu, il a fini Ballon d'Or, au Real Tu te rappelles les premières années de, de Benzema au Oreal Premières ouais, après il a, un a un été porteur d'eau de Cristiano et, de, et même de Bale. Très bien. De mais mais moi, ce que je veux qu vous dire le porteur d'eau personne. Non, ça, on est bien d'accord. Ouais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la, la clé, c'est Carlo Ancelotti qui la détient. D'ailleurs, vous avez remarqué que pour l'instant Vinicius, il joue même pas à gauche, puisqu'il est dans une espèce de système en 4-4-2 où il veut essayer de faire en sorte de leur donner un maximum de liberté. Moi, je pense que les problèmes, il va les avoir avec d'autres joueurs. Typiquement, moi, j'ai regardé le Classico samedi soir dernier. Combien de temps tu vas pouvoir tenir avec Bellingham bah, et euh, Bellingham, droit, bien par sûr. exemple Ça, ça, ça c'est un autre débat. Mais pour il ce qui est de Mappé Rodrigo et aussi. de Vinicius et leur capacité à jouer ensemble, moi, je pense que les deux sont suffisamment intelligents. Moi, j'ai la naïveté de penser que des joueurs aussi talentueux ça, faux, ça. que les deux vont pouvoir... Euh... On, on l'a vu avec les Galactiques, Kevin. C'est pas, pas le talent qui fait une équipe. Pardon, mais les Galactiques, ils ont quand même, euh... ok, ils n'ont pas gagné, ils ont pas gagné de, de Ligue des Champions avec et... la, 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 sur la période des Galactiques. Ils ont gagné une Liga. Mais as, quand même, t as, t as quand même vu une Liga et des, et des matchs extraordinaires avec ces joueurs-là. Mais et là, on parle. Le, on parle le, 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 le gros problème de Kylian Mbappé, c'est qu'il arrive au Real. Donc je ne, remets, je ne refais pas mon argumentaire. J'ajoute qu'il arrive au Real après une saison parfaite. La saison dernière, elle est parfaite. Mais on est bien d'accord. Moi, si Moi, si tu veux mon avis, à la place de Kylian Mbappé, je serais pas à l'Oreal. Je serais allé ailleurs. Bah, c'est le problème là. Ouais. Voilà. Ouais, mais maintenant, après, vous maintenant au Real il depuis si longtemps. Oui. C'est normal de, de réaliser entre guillemets son rêve. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, une fois qu'il est au Real, il est au Real déjà. Une chose est certaine, il peut pas faire mieux. Cette année, ils peuvent pas faire mieux, puisque l'année dernière, ils ont tout gagné. Par contre, là où forcément ça se délite, c'est que Vénissus il est moins dans son rôle. Bellingham, il est moins dans son rôle. Rodrigo, il a disparu. Le mec Rodrigo, on, alors c'est peut-être pas Kylian Mbappé, mais c'est un joueur d'équipe. Et tant que Kylian Mbappé ne comprendra pas que s'il veut reprendre l'autoroute de la gloire, il faudra devenir un joueur différent. Un joueur différent, je ne demande pas d'être de, un joueur qui se sacrifie pour l'équipe, mais il devra mettre son ego de côté et faire en sorte est ce qu que l'équipe... Je suis tout à fait d'accord avec je, toi, et je, je qu'il faire la petite séquence de Luis Enrique dans le Doc Movistar, où il lui parle de Michael Jordan. Mets-toi ça en boucle, mets-toi ça toutes les nuits s'il faut. Si tu ne comprends pas ça, tu deviendras un joueur moyen dans le très haut niveau.